Bonjour Momo. Grand écart de notes. Et bim. D'accord. Et tiens. Et non. Comment allez-vous les amis? Je suis super méga content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et en plus une vidéo Evil Nun, puisque bah, visiblement en ce moment vous adorez ça, moi aussi. Et aujourd'hui vidéo très spéciale, je vais faire 10 conneries avec Evil Nun. Ça va être très marrant. Pauvre Nun, elle ne sait pas encore ce qui l'attend. Avant cela, vous avez été très nombreux à me demander en message privé mon avis à propos du documentaire Leaving Neverland, le fameux documentaire contre Michael Jackson. Personnellement, j'ai boycotté ce documentaire pour plusieurs raisons que je ne vais pas étaler aujourd'hui. MJ Forever et tous ceux qui voudront aller chercher de l'argent sur un mort n'auront pas mon respect. Oh, mais je vous ai pas montré. Oui, je porte mon t-shirt que vous pouvez retrouver sur ma boutique Teespring. Il y a les articles disponibles juste en dessous de cette vidéo. Vous cliquez, vous tombez sur ma boutique, vous achetez ou pas, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, si vous achetez des produits, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux pour que je vois vous avec vos produits, hey, et tout quoi. Ça me ferait plaisir. Pour revenir à Michael Jackson, regardez ce que j'ai là. La figurine Michael Jackson Thriller. C'est la version transformée dans le clip de Thriller. Et cette statuette est en édition limitée à 1982 exemplaires. Pourquoi? Puisque c'est en 1982 qu'est sorti le clip Thriller. Oui. Thriller gravé ici. M comme Max, Michael. Ça fait un petit peu peur, j'avoue, c'est un petit monstre. Mais elle est super bien faite. C'est juste un buste, hein, y a pas le corps en entier. Moi j'adore. Si vous voulez la voir, moi je l'ai acheté sur internet. Il y a 1982 exemplaires. Faites vite. J'ai juste envie de chanter une chanson de Michael Jackson qui s'appelle Heal the World. Et le message me semble plutôt positif. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Générique. Abonnés, pratiquement des 400 000 abonnés sur la chaîne des délires de Max, c'est complètement dingue. Si vous voulez faire partie de la Max Family, rien de plus simple, cliquez sur le bouton s'abonner et également sur la petite cloche roulette pour ne rater aucune vidéo. Il y en a deux par semaine, le mardi et le vendredi à 17h. Bonheur. Allez, c'est parti, après tout ça, on va enfin prendre le téléphone, lancer Evil Nun, lâche ton pouce bleu et prépare-toi à faire plein de bêtises avec la nonne. J'adore ce générique, c'est un petit peu effrayant mais drôle à la fois. Aujourd'hui je pense qu'on va plutôt s'amuser, j'espère qu'on n'aura pas trop peur, on verra ça. J'espère que la nonne va pas se venger surtout. Donc on y va, on commence, je joue en mode facile, je laisse Momo pour avoir notre ami Momo. La première connerie qu'on va faire, c'est gluer la nonne. J'adore sa réaction quand elle a les pieds collés par le pistolet à chewing-gum. Également, on va lui coller la face avec la grosse boule de chewing-gum. Je m'appelle Momo et je vais être bon. Depuis quand Momo est bon? Non, Momo n'est pas bon, hein. Qui est juste ici, comme d'habitude, hein. Bonjour. Bonjour Momo, ça va Momo? Toujours là, toujours présent, la famille. Ouais, d'accord. Bon, vous le savez, hein, les accessoires, une fois qu'on a fait tous les chapitres, se trouvent sous le lit. Donc, on ouvre le tiroir. Mais j'arrive pas à ouvrir. Voilà. On ouvre le tiroir du lit et on trouve, eh bien, le pistolet à boule de chewing-gum, la poupée explosive. On va s'en servir aussi, et les sneakers de hâte pour aller plus vite. Mais d'abord, vous le savez, il faut dé... Bonjour, Nani Nounette, t'es pas là? Ah, elle est là. Mais elle commence... Et voilà, c'est parti, elle m'a vu. Ah, la porte, pousse-toi. Elle était juste là. Ça commence, je voulais... Ah, mais les portes sont contre moi aujourd'hui. Il faut aller chercher le câble pour commencer. Vous voyez, j'ai bien fait de jouer en facile, sinon elle nous aurait déjà attrapé, frappé, mangé, je ne sais pas. Ça commence bien. Alors, vous le savez donc, je disais avant que la nonne ne m'interrompe, il faut démarrer avec le câble qu'il faut trouver normalement ici. Voilà, il est pas tout le temps au même endroit, mais généralement il se trouve ici. Et on... Aïe, 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 aïe. J'ai été perturbé par l'affiche de Momo que j'ai vue à gauche. Elle, elle est... Faut pas que je meure trop souvent, hein, parce que j'ai plein de conneries à faire, hein. Je suis Momo et je vais être bon comme un bonbon. Allez, c'est parti. Alors, le câble, bah, il a dû tomber de mes mains, hein, donc il est en haut. On y retourne. C'est sympathique, on apprécie que la nonne nous fasse perdre notre temps comme ceci. Merci. Alors, où est-elle, cette petite coquine? Mais c'est pas... Non, tu me laisses. J'ai une vidéo à préparer, là. J'ai des choses à faire. J'ai pas le temps de jouer avec ton gros marteau. Youhou. Voilà, suis-moi. C'est bien. Viens par là. Oui. Tu viens? Eh ben, c'est bien. Voilà, moi, je fais le tour. Tu me suis toujours? Ouais, c'est sympathique. Allez, on passe par là. Et on va enfin chercher le câble.
Oui, le billet de biche est là, très bien. Je sais pas si... Oui, on en aura besoin. Mais pas pour le tout de suite. Pour l'instant, on va récupérer le câble qui est tombé, qui est là. Merci. Bonjour, Momo. C'est à cause de toi que la note va attraper. Hop. Badada. C'est bon. Oh non, j'ai fait du bruit. Ça veut dire qu'elle va venir. Non, elle vient pas. On allume ceci. Et on va récupérer le pistolet qu'on va mettre dans l'ascenseur. Il faut également trouver petit truc d'huile pour débloquer l'ascenseur. Je vais poser ça dans l'ascenseur parce que avant de pouvoir faire la première connerie, bien sûr, il faut fabriquer le pistolet à boule de chewing-gum, bien sûr. Bonjour, c'est pas ce que tu crois. Je vais juste fabriquer un pistolet à boule de chewing-gum. Allez, viens, abuse-toi un peu, fais un petit tour sur le trampoline. Voilà. Oh, mais quelle rabat-joie celle-ci, elle saute pas, pas possible. Bon, on en profite pour ouvrir ceci. Jeter le pistolet, hop, et on va chercher les boules de chewing-gum. Alors, généralement, elles sont en haut, mais la dernière fois, elles n'étaient pas en haut, elles étaient dans la salle de classe. Alors, est-ce qu'elles vont être en haut? Mystère. Et boules de gomme. Eh bien non, elles ne sont pas en haut, donc on va voir directement dans la salle de classe. Bonjour. Oui, j'ai fait du bruit. Et hop là. Allez, la classe, elle est ici. Est-ce que les boules de chewing-gum sont... Oui, elles sont ici. Voilà. C'est bien, maintenant je commence à connaître... Bonjour. Elle me laisse pas tranquille aujourd'hui. Hein. Viens là. Voilà. Obéis-moi un peu. Pour une fois, ça suffit, non, hein. Hop, on jette les boules de chewing-gum. Clac. Mais on n'a pas l'huile. Alors d'habitude l'huile elle est... Oui, l'huile elle est là. Mais il y a la nonne. Tu peux pas aller jouer avec tes petits camarades. Je sais pas, va trouver Momo, va trouver la granny là. Mais on récupère l'huile ici. Voilà, on met l'huile. Tac, c'est bon. On a appuyé sur go. Voilà, ça va monter dans 20 secondes. Très bien. Oh, pas possible. Tu vas voir, dès que j'aurai le pistolet, tu vas moins rigoler. Bon, normalement le temps qu'on fasse notre tour, on va récupérer le pistolet et on va pouvoir enfin faire notre première connerie et passer à la suivante. Non. Oui. Viens, 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 viens. Et hop là. Oh, elle est où? Elle est là. Alors, première connerie, on va engluer la nonne. Et shoot. Coucou. Alors attends, maintenant on va te tirer sur la tête. Yeah. Oh, mais qu'elle est jolie, on dirait un petit sapin de Noël avec des boules. Et hop là. Ouais, t'as le style. T'es jolie, nonne. Youhou, on peut t'approcher? Oui, tu nous fais rien, coucou. Elle est mignonne, elle est coincée. Bon. Oh, tu vois plus rien. Bonjour. Attends, il faut que... Attends. Arrête de courir, viens là. Ouais, c'est ça, tu vas faire quoi? Tu fais quoi? Ah. Mais je savais pas qu'elle pouvait nous attraper alors qu'elle était engluée. Oh, je me suis fait avoir. On passe à la deuxième connerie. On va faire exploser la nonne. Pour y faire exploser la nonne, il faut bien sûr prendre la poupée explosive et lui mettre un bâton de dynamite. Bâton de dynamite qu'on trouve bien sûr dans la salle à la Bible définitive. Bible définitive que nous avons vue en haut, il me semble. Donc on va fabriquer ça tout de suite et on va se cacher pour activer la poupée. D'abord, on jette ça, on récupère... Oh, on a le pistolet, cool. Alors attendez, si on croise la nonne, on va l'engluer un petit coup. Elle n'est pas là. La Bible, elle est en bas. Bah viens, 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 et shoot. Voilà. On fait bien attention à ne pas coller la nonne, même si elle est collée, hein. On a fait l'expérience, hein, il y a quelques secondes. On va récupérer la Bible que j'ai vue ici, parce que quand même, hein, voilà. Qui va nous permettre de récupérer les bâtons de dynamite. Alors attendez, on va passer par là, un petit raccourci. On s'accroupit, et on saute. Yeah. Bonjour. Ah, c'est bon, tac. On ouvre ceci, on place ceci. T'es dégoûté, hein? Eh oui, j'ai trouvé ton passage secret. Elle est pas contente. C'est pas grave. On lui échappe. On fait le tour par là. Et on va récupérer la dynamite. Elle va moins rigoler quand je vais la faire exploser, cette nonne. Ça y est? Je peux aller là? Youpi! On prend un petit bâton de dynamite. Ah! Aïe, 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 je l'ai pas vu. Je prends trop la confiance. Et en fait, c'est pas bon là. Elle nous a déjà tué 3 fois. C'est-à-dire jour 4. Bon, 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 on va se calmer un peu, on va réduire la cadence. Et on va surtout demander à Momo toutes ses puissances. Hein, Momo? Momo! Screamer! On va chercher la dynamite. On va enfin faire cette petite poupée. Je vais essayer de faire plus attention. De moins prendre la confiance quand même. Parce que j'oublie que même si je joue en facile, la nonne est là, hein, elle est pas non plus invisible. Hein. Je joue pas dans le mode de difficulté le plus facile. Attendez, j'ai entendu un bruit? Non. Hop, c'est bon. Y'a quoi sur le tableau? SM? Étrange, ça change toujours de bonne sœur. Un jour, il y en aura une, elle va s'appeler Boulidou Boulidou. On jette ceci et on fabrique la poupée explosive. On va se cacher ici en attendant, parce que comme ça, elle nous verra pas. Nous, ça nous permet d'observer ce qu'il y a. Alors, dans le tiroir, oh, la carte du casier. D'accord, et ici, rien du tout. Hop, je me mets dans le placard, j'ai trop peur. Ah, ça y est, on peut aller chercher la poupée. Youp. Alors, non.
Anne, j'ai une surprise pour toi. Oh oh, elle est là. Alors attendez, on va se cacher ici. Tac, c'est bon, on utilise la poupée, c'est parti. You. La 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 la. Coucou. Et bim. Regardez la pauvre la... J'ai mis le feu à... j'ai mis le feu à ceci. D'accord, la nonne elle est là. On peut refaire une poupée, on peut pas prendre son marteau. Nonne. Mais qu'est-ce que tu fais? Ouh, grand écart de nonne. Ouais, you. C'est sympathique. Nous pouvons observer qu'elle est très 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 jolie. Elle garde les yeux grands ouverts avec la bouche. Elle devrait aller chez le dentiste. Ça va? T'es pas trop... Bon, super. On passe à la troisième connerie. Alors, la troisième connerie, c'est mettre le feu à la nonne. Eh oui, aujourd'hui, elle va s'en prendre, mais plein la face. Hein. On se revenge encore de cette petite nonne inounette. Pour ceci, c'est ici. On prend le bâton, on le jette. Et on récupère la torche. Et on retourne voir la nonne. Normalement, elle fait encore dodo. Donc, théoriquement, on ne peut pas... Est-ce qu'on peut mettre le feu au tableau? Non. Dommage. Est-ce qu'on peut mettre le feu à une porte? Vous m'avez dit que oui. Attendez, j'essaie de mettre le feu à la porte. C'est possible ou pas? Non. Et là? Non. D'accord. Bon alors, est-ce qu'on peut mettre le feu à la nonne qui dort? Non. On va attendre qu'elle se réveille, c'est pas grave. Réveille-toi. Oui, elle se réveille. Et... You. Oh non, la peau. Alors attends. Oh, j'ai mis le feu à la poupée. Désolé, poupée. Ah, j'ai plus de feu. Alors, ça fait pas partie de la connerie et ça fait pas partie des 10 conneries que je voulais faire, mais vous m'avez demandé d'essayer éteindre cet endroit-là. Donc on va voir ça. Bah, en fait, ça fait rien. On peut pas éteindre... C'est un feu éternel, en fait. Bon. Ah, elle est là. Mais je sais pas où elle est. Bonjour. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille, j'ai un extincteur dans les mains. On va se cacher ici. Voilà. Quatrième connerie. Il faut que j'aille chercher le poulet. On va jeter le poulet dans le feu du sacrifice. Oui, oui, ça va être très rigolo. Alors le poulet, normalement, il est ici. Poulet. Oh, mon petit pouletto. Bonjour. On va l'appeler Norbert. Ça va, Norbert? Oui, Norbert Inunet. Ça va? Bon, t'es quand même un poulet démoniaque, hein, puisque tu es le poulet de la nonne. Donc, j'ai pas trop de scrupules à te mettre dans le feu. Est-ce qu'on peut faire du trampoline avec le poulet? Coucou, la nonne. Regarde, je fais du trampoline avec le poulet. D'accord, elle a pas l'air d'apprécier que je joue avec son poulet. Ah, attendez, il faut que j'essaie de marquer un but. Enfin, un panier. Nan, laisse-moi tranquille. Oh, ça fait quoi si on essaie de marquer un panier avec le ballon? Je vais essayer ça. D'abord, on va faire du poulet grillé. On retourne dans la salle du sacrifice. Ah, oh, pardon. Allez, on y va, c'est par ici. Poulet, t'as un dernier mot à dire avant que je te jette dans le feu? Très bien, c'était ton dernier mot. Attention, 3, 2, 1, you. Mince, mais non, mais t'as pas été dans le feu. Reviens là, Norbert. Et you. Norbert, j'ai dit Norbert. Tu vas dans le... Norbert, arrête. Bon, d'abord, je ferme la porte, parce que t'es un petit peu insolent. Et hop. Tu veux pas... J'y vais. Ça y est. Wouhou. Il est devenu poulet grillé. Alors, on va essayer de marquer un panier avec le poulet grillé. On a tout fait griller aujourd'hui, hein, même la nonne. On va essayer de marquer un panier. Oh, saute et... Wouh. Oui, regardez. J'ai marqué un panier. Enfin non, j'ai pas marqué un panier justement. Mais presque. Failli marquer un poulet grillé. Bon, écoutez, je pense qu'on s'est suffisamment amusé avec le poulet. On va récupérer la balle et essayer de marquer un panier avec le ballon. Hop. Et hop là. Hop. Oh mais non, mais il y a le poulet qui gêne. Bon, c'est pas grave, on passe à la cinquième connerie. La cinquième connerie, je pense qu'on va pas mal mourir, puisqu'il faut jouer à chat avec la nonne. Alors, on va jouer à chat, c'est-à-dire qu'on la suit et on va faire nonne, chat. Voilà. Toi de m'attraper. Allez, on va essayer de la toucher. Non, c'est toi le chat. Elle est où? Ah, tu joues à cache-cache. Non, on joue pas à cache-cache. Non, on joue à chat. Viens. Et hop là. C'est toi le chat. Elle en a rien à faire de l'extincteur. Voilà. Ouais, c'est bon. Allez, on a joué à chat, on arrête. Elle m'a même pas vu. Bon, en tout cas, à cache-cache, elle est un petit peu nulle, hein. On passe à la sixième connerie. Ah, la sixième connerie implique qu'on débloque le passage vers l'extérieur et qu'on appelle la bonne nonne. Puisque il faut mettre le feu à la bonne nonne. Bonjour, je suis désolé, mais j'ai quelque chose à faire avec ta copine. Donc je vais y aller, hein, d'accord? Merci, au revoir. Sauf qu'il faut appeler la buanderie, on n'a pas trouvé la carte. On va la chercher, c'est pas grave, on va bien finir par la trouver. Clou, hop, et clou, hop, on jette ça. Oui, d'accord, c'est pas très discret, mais qu'est-ce que j'en ai à fiche? Bonjour. Au revoir. Je vais chercher la carte de la buanderie pour pouvoir téléphoner à la bonne nonne, hein, parce qu'on en a besoin. Si la nonne n'est pas là, on peut pas lui mettre le feu. Hein. Voilà. Peut-être que la carte... Non. Ici, non.
Eh ben non, hein, voilà, ça aurait été trop beau. Ici, non. Alors, ça doit être en haut, je pense, dans la cuisine. Par là. C'est quelque part par là. Non. La dernière fois, c'était là. Ah, on entend le Graal. Donc, le Graal est là, mais pas la carte, d'accord. On va quand même voir maintenant qu'on est là dans les tiroirs. Oui, le numéro de téléphone est là. Super. On va téléphoner à la nonne, ensuite on va fabriquer une torche et on retourne voir la nonne bonne, la bonne nonne. Nonne bonne nonne bonne. Dur à dire quand même, hein. On va essayer de lui mettre le feu. Je sais, elle est gentille, elle nous a rien fait, mais ça fait partie du jeu, c'est tout. Allô? Tu viens? Voilà. On va jeter la carte ici, on y va avec une torche. On se dépêche parce que, hein, voilà. Hop. On récupère la torche, mais voilà, et on se dépêche parce que la torche ne dure pas très longtemps et je sais pas si je vais avoir assez de temps pour aller rejoindre la bonne nonne. J'aurais peut-être dû faire les baskets qui vont vite, mais bon, on va essayer quand même sans. On est des fifous. On y va. Dépêche-toi. Je vais plus avoir de feu. Le feu follet. On va lui jeter la torche à la face et puis on verra bien ce qu'elle va faire, hein. On va essayer de pas mettre la torche dans l'eau, hein. On y est presque, on y est presque. Et maintenant on y... Elle est pas là. Je l'ai appelée. Oh, elle nous a fait une feinte, la bonne nonne. Et bah voilà. J'avais juste assez de temps pour toi et t'es pas venue. Bon, on va la rappeler puis on va refaire une torche. Pas grave. Pour être sûr, je vais quand même fabriquer les baskets qui vont vite, hein. Comme ça, au moins, voilà. Bonjour. Tu viens? Voilà. Salut, bye. Donc je vais récupérer les baskets, les balles de tennis et on fera une paire de baskets qui va très vite. Les sneakers, on va les mettre dans l'ascenseur. On jette ça ici, les balles de basket en haut, les balles de tennis bien sûr, évidemment. Bonjour, t'es là? Non, on jette ça et on fabrique. Et il faut aller bonjour, rappeler la nonne, hein, parce que décidément, hein, elle a pas envie de venir aujourd'hui ou quoi? Tu fais grève de la blanchisserie? Allez. C'est bon? Voilà, c'est déjà en route. Bah oui, bah... Ah ah, les baskets sont prêtes. Hop, prendre la torche. Je vais rater la nonne à cause de toi. On va récupérer une torche inounette. J'utilise ça, je prends ça. C'est bon, on y va, on court. Elle est où? Elle est là. Ah, on court, on court. Ah, on va plus vite que tout à l'heure, donc ça c'est cool. Tac 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 tac. Ah ah, elle est là. C'est bon, et on va lui mettre le feu. Et tiens. Mais ça marche pas. J'ai essayé de lui mettre le feu. Et tiens. Mais tiens! Non! Oh! Elle peut pas prendre feu, celle-ci! Eh! Non! Non! Elle m'a complètement écrasé! Ça tombe bien! C'était l'une des 10 conneries! Oui, c'était la suivante que j'avais préparée, parce qu'attendez, j'ai quand même préparé, hein, les 10 conneries sont écrites ici. J'avais écrit « Se faire écraser par le van ». C'est fait! Il reste 3 conneries! Il me reste aussi qu'une vie! La connerie suivante, c'était de prendre une douche avec la nonne. Je sais pas trop comment je vais faire ça, mais on va essayer. On va d'abord dans la salle de bain et on va attirer la nonne. Donc pour ceci, je prends un objet et je le jette. Bonjour! Et là, on prend une douche. On peut allumer ça? Oh là, on peut pas allumer! Bon bah, on va faire semblant, hein. Chut, je prends une douche! Nani nounette! Eh, hey, je suis là! Viens prendre une douche avec moi! Eh oh! Youhou! Oui! Viens prendre une douche avec moi! Viens! Viens prendre une douche! Oui! Visiblement, elle veut pas se laver. Dommage. Alors, il reste 2 conneries. Faire du trampoline avec la nonne. Je pense que ça ne va pas marcher puisque la nonne, visiblement, elle est un peu rabat-joie. Elle ne veut pas faire de trampoline. Je suis toujours Momo. Et je vais être bon. Bonjour, Momo. Oh, peut-être un peu trop près. Momo est tombé. Non. Ça va? J'ai besoin de toi. On va aller faire du trampoline. Viens. Tu me suis? Viens. Elle veut jouer avec moi. Elle est gentille. Tu viens? Allez, viens. Regarde. Oh là! Mais non, mais oui, mais comme je suis mort, il faut recommencer. Oh, on va mettre le câble, hein, ça c'est une histoire de 2 secondes. Hein. Hop, voilà. Câblounet. Tu l'entends? Oui, mais non, mais je suis pas d'accord avec toi. Hop. Et hop là. Ouais, cool. Tu viens? Allez, moi je mets le câble. Tac. Je vais ouvrir et on va faire du trampoline. Et hop. Non. Bon, attendez, on va faire du bruit. Non. Youhou. Viens. Regarde. On va faire du trampoline tous les deux. Tu veux bien? Youhou. You! 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 Bah, eh oh! Elle s'en va. Elle est sérieuse, elle. Nan! Youhou! Mais, Nan! Elle est rabat-joie! Nan! Yana! J'ai dit, tu viens ici tout de suite! Nan! Tu obéis! La nonne est insolente! Nan! Voilà, viens! Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'amuse avec moi ou quoi? Allez, viens! On va faire du trampoline, j'ai dit! Hop là! Youhou! Youhou! You! Décidément, c'est un échec. Elle ne veut pas faire de trampoline avec moi. Et ben, c'est pas grave. Moi, vous savez ce que je vais faire. Je vais essayer de sauter dans le panier de basket parce que ben, elle m'énerve. Et hop là, boue, oui, oui. Voilà. Je ne rentre pas parce que je dois être trop gros. Qu'est-ce que je fais là? Elle est où? Oh, attendez, je vais essayer de mettre le ballon maintenant. Oui.
Alors, on va essayer de mettre... Oui, bah, tu peux rien faire, je suis en haut. La 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 la. Tiens, tu veux le ballon? Tiens. Oui, j'ai marqué un point, mais le ballon ne passe pas. Regardez, il est coincé. Dommage. La dernière connerie implique que je recommence la partie puisque c'est joué dans le mode de difficulté le plus extrême. Et aussi je vais essayer d'écrire Evil Nun à la place de Momo pour voir ce que ça va faire. Nul ? Extrême ! La nonne est plus rapide, la religieuse entend tout, votre gamme d'action est plus petite, l'école est plus sombre. Super, je suis content. Jour 1, je sens que ça va aller vite. Je suis Evil Nun et je vais être bon. T'as entendu Evil Nun ? Ils ont dit que t'allais être bon. Ah, c'est tout sombre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle est toujours là ? Ah ! D'habitude elle était là ? Elle est où ? Nan ! Je vois rien ! C'est hyper flippant en mode extrême, hein. Oh. Ah ! Elle court ! Ah ! Mais elle court très vite là ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Laisse-moi tranquille ! Ah oui, là on rigole plus, hein. Ah ! Est-ce que je vais ne serait-ce que réussir à mettre le câble ? Je n'en sais rien, on y va. On voit rien ! Ouvre-toi ! Oh ! Normalement le câble il est là. Câble ? Non ! Non ! Oui ! On a le câble ! Il n'y a plus Momo, mais la nonne a fait... Oh, on a réussi ! Et donc, on a réussi ! Oh oh, j'ai fait du bruit. On va essayer d'ouvrir ça. Oui ! On a au moins réussi ça ! On n'est pas si nul ! Ah ! Elle est là ! Pourquoi je m'accroupis ? Saute ! Et saute ! Ah ! Elle m'a eu sur le trampoline ! Et voilà pour les 10 conneries sur Evil Nun. C'était un petit peu différent d'habitude, mais je pense qu'on s'est pas mal amusé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un max de pouces bleus. Dites-moi dans les commentaires quels autres jeux vous voulez que je fasse. Abonnez-vous et partagez cette vidéo au moins l'un de vos amis pour faire grandir la Max Family. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!